Bonjour et bienvenue sur l'univers YouTube. Bonjour Père Cross volume 2. Très content de faire une vidéo avec toi parce que la dernière fois qu'on a fait une vidéo que toi et moi, on a fait une perte de poids challenge. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si tu te souviens, mais quand on travaillait ensemble en 2017, j'avais voulu faire cette vidéo et j'avais abandonné. Où j'ai essayé d'apprendre des skills et j'ai essayé notamment les trucs de pen spinning. Et après d'autres trucs, et on était censé faire une vidéo de genre un mois avec plein d'apprentissage de skills. Et j'ai abandonné en un jour. Non, mais ça m'étonne pas de toi. De commencer un truc et d'abandonner très vite parce que t'as testé plein d'activités là dans ta vie, t'as fait de l'escalade, t'as fait de plein de trucs. Il fallait changer la carte mémoire parce que comme c'était un peu long. Ouais, ok, ouais. Le concept est très simple. On va avoir, messieurs, dames, 100 minutes pour aller au bout de cette piste. Là-bas, il y a la ligne d'arrivée. Frédéric, on va avoir 10 skills à apprendre en direct. On a les consignes sur des papiers, on a sur nos téléphones des petits tutos pour avoir des astuces pour apprendre. Dès qu'on apprend le skills, dès que c'est validé, on passe à l'épreuve d'après. Le premier qui arrive à la ligne d'arrivée gagne. Attention Frédéric, on peut être bloqué. Bah là, je vois un truc déjà, Pierre. Parce que normalement, ça monte crescendo, Pierre. Normalement, tu sais, là, dans les vidéos, ça monte petit à petit. Et là, je vois un truc, c'est un truc que tu dois apprendre en une semaine, ça. Y a pas un truc genre, les deux sont ensemble. Dès comme ça, et t'as un système. Et y a une barre au milieu. Et y a un système de chaîne, en fait, comme ça. Et un truc pour mettre. Et un système, ouais, des trucs comme ça. On a 10 minutes à chaque skill à apprendre. Si on n'y arrive pas, on est sur un abandon, on avance quand même, mais on a perdu 10 minutes. Si l'autre a réussi plus vite, il gagne de l'avance et il peut finir plus vite. Tu vois, regarde, même le truc, il a pas d'équilibre tout seul. Comment tu veux que moi, dessus, 72 kilos ? 72 kilos ? Ouais. T'as perdu un peu ? Un petit peu. T'as perdu là. 1,3 kg depuis décembre. Mais attends, mais Pierre, on est où là ici ? Parce qu'on est sur une piste de kart, j'ai l'impression. Non, on est chez moi. Ah, pas. Ouais. On est donc à Aerokart. Ici, c'est une piste de karting. Il y a un complexe où il y a aussi de la chute libre, un escape game et de la réalité virtuelle. Nous, on va se contenter de cette ligne droite. On se retrouve dans moins de 100 minutes là-bas. Quel point. C'est parti pour le 10 Skills Challenge. C'est parti pour le premier skill, le monocycle. Déjà, j'évalue le risque de chute. Bon, il est de à peu près 100%. Oh la main, oh la main, oh la... Attends. T'es trop fort. L'important, c'est d'être à l'aise. En fait, regarde, il sous-estime. Non, je suis parti, Fred. En vrai, je suis parti, moi. En vrai, ça y est, c'est bon, je suis parti. Franchement, attends, t'es chaud, là. Bah... Comment tu fais? Ah non, mais tu sais qu'on a pas regardé le tuto, on est con. Ah ouais, tuto. Parce que genre, ça va t'aider. Bah... Ah, mais oui, il faut être en équilibre. J'ai si peur de lâcher la table. Hein? Attends. Ouais, pour réussir, faut faire ça. Faut avoir un sarouel, faut habiter à Grenoble, faut fumer des roulés. Allez, Fred, c'est ton moment. Hein. Allez, mets du poids. Je suis parti. C'est la chute. Avant de commencer, on a dit, c'est pile la séquence où il y en a qui va tomber, il va faire. Attendez. Il va faire. Attendez. Ouais. Coupez. Deux secondes. Ouais. Coupez. Le micro. Bon, allez, moi je pars, Fred. Désolé. Pierre, je suis sûr que t'es plus en contact avec ta table qu'avec le vélo. Tu connais l'adage, il faut retomber sur le cheval. Non, il faut manger le cheval avant de l'avoir. Attends, c'est quoi? Putain. Tiens, bande de losers. Franchement. Franchement, un truc qu'on peut pas nous enlever, c'est qu'on se donne au max. Allez, moi j'y vais. Désolé, Fred. Je pense que les propriétaires là de la piste de karting, ils ont rarement vu aussi peu de vitesse sur leur piste. Il reste combien de temps? Parce qu'en vrai, moi je vais y arriver. Il reste une 30. Je vais y arriver. Bon Fred, t'es à Metz, t'es lundi soir, c'est férié, y'a personne, t'as un turban autour de la tête, et tu vas à ta fac de géographie. C'est bientôt la fin. Oh bah tu sais que je transpire, on dirait que j'ai fait un 5. Fixe un point fixe, Fred. Allez, tu sais quoi, plus tard je vais devenir paysagiste. Allez. Allez, tu sais quoi. Allez, c'est parti, je vais aller au Roi Merlin, je vais acheter un sécateur. Ah. Oh non. Fin des 10 minutes. Comme c'est la fin de la séquence qu'il faut aller au suivant, je vais y aller en monocycle. J'y vais. Désolé. Fred, j'ai plus le temps. Pierre, 100% de ton équilibre, il est basé là. Donc quand tu vas transférer de là à là, Pierre, il va se passer zéro. Regarde, vas-y. Fixe un point fixe. Fais-le. Ouais, fixe un point fixe. Je te... Voilà, tu vois, c'est bien. Allez. C'est bien. Allez, ça avance au suivant. Oh, tour de magie. Bon, à partir de là, le premier était le plus dur. On le savait, le premier c'était le plus dur. Maintenant, on va se concentrer, Fred. Il y a un tuto à regarder. Attends, faut faire ça, un arc de cercle. Donc, le but c'est faire un arc de cercle avec les cartes, puis les retourner en une seule fois. Donc, ça veut dire faire ça. Pierre, imagine, on fait zéro skills. Je mets quoi en titre après? On est éclaté. Ah, 100 minutes Pierre. Pour être éclaté? Mais Pierre, là, tu nous as... Franchement, Pierre, je te regarde. Oh, c'est validé. Oh, le bâtard. Il est content. Ok. Allez. C'est pas grave. Donnez-moi mon monocycle, je peux pas avancer sinon. Hop. Il faut absolument que je finisse. Fred? Ouais. Je suis en école de kiné. Épreuve de Diabolo, lancer le Diabolo au-dessus de la jambe, d'accord, je vois cette skill, j'en ai fait quand même pendant 3 ans en club. Franchement, je le tente les gars, hein. Franchement, elle est là, à ce niveau-là, c'est dur. Alors, je sais prendre de la vitesse,
C'était ça, non? Pas le droit de reposer le pied quand tu lances le truc, hein. Comment ça? Faut que tu laisses tout le temps la jambe en l'air. C'est quoi ces règles inventées au dernier moment? En fait, ça semble simple, mais en vrai, tu vois, c'est dans le virage hein, que ça marche pas. Hein. Non! Mais je comprends pas où ça... Attends, je suis en train de m'énerver, Fred. À l'époque, je voulais être croupier. Tu mets à la table de blackjack, le suivant de longue, là, on comprend rien à ce que vous faites, là. Non, mais attends, je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas, vraiment. Putain, j'ai raté. Oh, bienvenue à cette épreuve! J'ai un peu d'avance, mais... T'as un peu d'avance, Pierre. Il me reste combien de temps d'essai? T'y arrives, toi? Ah ouais? Non. Excuse-moi. Excuse-moi, Pierre. Alors, c'est quoi? Faire la quoi? Trois pieds gauche? Non, mais il connaissait. T'as une carte avantage voyage, non? Trois pieds gauche. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Désolé, Pierre. C'est quoi faire la chorégraphe en moins de 30 secondes? Passé là, pas aussi beau que Fred, mais c'est passé. Tac, 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 tac. Ok, d'accord, ok, d'accord. Allez! Ça, joint, claque le cul, ok. Ça, joint, claque le cul, ok. En plus là, ça le fatigue, Pierre. Je sais que ça l'énerve. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Claque le cul! Let's go! Fred, t'as 10 secondes? Attends, ta gueule, Pierre. Par contre, j'ai bien le rempilage, hein. Là, ça fait combien, là? Ça fait 48. Non, c'est impossible de faire moins. Je te jure, je peux pas. Sous 40, c'est faisable en vrai. 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! C'est bon! C'est pas propre, mais c'est bon! Faire la chorégraphie en moins de 30 secondes. Ah, je suis désolé. J'ai fait le max. Allez, on passe à l'épreuve suivante. Ça, je vais réussir du premier coup, les gars. Casser la banane en deux. Ah! Allez! Non! Fini? Ouvrir le connaître sans connaître le code. Ah! Sans connaître le code. Je connais la technique. En gros, là, il y a un jeu. Attends. Le jeu. T'as trop de vitamine C! Je t'ai jamais aimé, même en Haribo! On dirait une soirée sadomaso très bizarre. Ah, le premier, c'est le 5. Non? Elle est en train d'abandonner. Elle est en train de capituler, là. Allez! Moi j'avance, hein, j'ai pas réussi. Mais... Alors qu'est-ce que c'est ça? Cocktail, réussir les figures à la suite! Un petit Moscow Mule, pas de soucis! Ah putain! Un petit Mojito, et bah avec plaisir! Et bah, petite bouteille comme ça, et c'est parti! Ah, on a plus de Mojito, monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Ok, super! Petit Diabolo Menthe, et hop, 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 et c'est parti! Hop là! Bah là j'ai fait le tour, je suis à zéro, j'ai eu aucun ressenti. Empiler les dés, le dice. Non, non, non. Oh, c'est ma pire performance de YouTube, de l'histoire de YouTube. Je vous avoue, j'ai une belle touche au 4. Je recommence. Donc là, je suis au 0. Je force bien. J'ai les mains qui collent, là. En fait, je veux... Faut que je me mette debout. Putain, le dice talking, là, c'est... Allez. Ça ne marchera pas. Il n'y a aucune force centrifuge dans ce verre. Oh, la vidéo, elle est si déceptive. Pierre, je pensais qu'il s'attendait à des trucs de fou, des courses. Allez, on va là, on fait ça. Et à la fin, ta Pierre, il est avec son cadenas et moi, je suis en train de ramasser les dés. Il n'y a aucune intensité, Fred. Oh, Pierre, tu connais les en fin de tournage? Ouais, ça va jouer au montage. Le truc le plus réussi, c'est quand j'ai mis le chapeau. Oui. Au dernier tour, je faisais des tours, j'ai pas le code. Allez. J'ai réussi à deux figures à la suite. Oh, et encore 8 minutes de tuto avec un mec qui parle trop doucement. Hop là, hop là, hop là. Putain, mais... Hop là, hop là. Quelqu'un de la prod a réussi à faire ça pour de vrai? Pour de vrai, hein. Ça, pour de vrai, là. Oh, oh, vrai ou pas? Vrai ou pas? Regarde, j'ai pas triché, hein. Oh, j'ai eu un coup de chat énorme. Allez, ciao, Pierre. Et maman, regarde. Maman, regarde. Dis-moi, j'ai réussi. Oh, regarde-moi, Fred. Attends, désolé. Désolé, là. Donc là, je me rappelle... Arc à flèche. Oh, on est proche là, hein. Tir un peu ridicule, on va pas se cacher. Encore deux frères. Elle commence à être défoncée partout. Pierre, ouais. Ça servira à rien. Parce que c'est fini. C'est fini. Yes. Yes.
Yes, j'ai tellement de skills, hein, je suis tellement talentueux. Bah, de toute façon, là, j'avais plus le temps, je suis arrivé il y a 10 secondes. C'est ça, non? Faut pas faire ça. Et laquelle t'as vraiment, vraiment appris et tu te dis, putain, j'ai appris un truc aujourd'hui? Ça, c'était de la chance, ça, c'était de la chance. Monocycle, t'as appris ça, c'était un peu de la chance. Mais monocycle, je me dis, parce qu'on a vu, j'ai réussi à faire un coup, deux coups de pédale, tu vois, j'ai un peu réussi, tu vois, je suis pas, en vrai, pas zéro. Monocycle, t'étais meilleur. Mais sinon, le fouet, regarde, on va devoir demain, je vais avoir des traces. Je me suis... Tu t'es mis des coups? Bah ouais, je me suis mis des coups. Tu sais que c'était pas ça le but. Ah. Non, il fallait. En fait, la banane. Je faisais un truc et ça revenait vers moi. Mais après, il faut voir, mais normalement, la banane, elle s'est coupée. Elle s'est coupée en deux et il y avait que moi et le fouet. En parlant de couper. Mais non. Si, si. Mais non. C'est la fin de la vidéo, Fred. Bravo. Ah, j'ai toujours perdu plus de poids que toi, mais. C'est une fin de vidéo, messieurs, dames. J'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, on a fait des choses que, globalement, alors faites pas de la harpe chez vous, mais globalement, il y a quand même pas mal de trucs que vous pouvez refaire. Donc, vous pouvez même vous refaire un petit parcours de skills entre potes. Très, très vibe jeu de jardin un peu l'été. Exactement. Ah ouais. Vous mettez une petite ligne droite dans votre jardin et vous faites 3-4 activités. Mettez-nous en commentaire les skills qu'on pourrait essayer de maîtriser dans une prochaine édition. Avec plaisir. Merci avec encore plaisir. Une fois à Aérocart de l'accueil. Je vous rappelle que c'est une piste de karting proche de Paris avec plein d'autres activités ici. N'hésitez pas à aller checker les liens en description. Merci à tous. Ciao, ciao, ciao.